peut nous apporter. Je vous remercie Numérique, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ladies and gentlemen, please welcome back Alan Kasuja. I have a microphone, so I don't need the podium. Thank you very much. Bien, j'ai un micro, donc j'ai pas besoin du podium. Merci de votre patience. And for being such a brilliant audience. Give yourselves a round of applause, ladies and gentlemen. Applaudissez-vous vous-même, Come mesdames on. Et messieurs, pour vos contributions, votre attention, Come votre on. Assiduité. Allez, allez, on y va. On s'applaudit. Good. Now, the next gentleman that you're going to have on stage is a very important man. His name is Carlos Lopez. Donc, He's la from Guinea-Bissau. He's the also Carlos Lopez, director of the UN Commission Économique pour l'Afrique des Nations Unies. Let's give him a round of applause, ladies and gentlemen. Applaudissez-le, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Come on. Yeah. Please have a seat. Thank you. The last time we met in Abidjan, we had La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Abidjan, et on était en désaccord. About where Africa was at the moment. Donc il y avait une sorte de pessimisme quant à la position de l'Afrique à ce moment-là. Maintenant, je pense que peut-être ce pessimisme est-il devenu optimisme. Ma question, vous savez, quand on commence par être pessimiste, c'est une bonne chose parce que cela démontre que l'on est impatient, un besoin de transformation qui a besoin d'impatience. Ce sont les énergies, les moteurs, la motivation favorable au changement. Mais si vous continuez à critiquer toutes les plus petites innovations, tous les plus petits changements qui se produisent, c'est du négativisme. Et ça, je l'aime beaucoup moins. Alors, vous semblez avoir une énorme connaissance de ce continent. Vous voyagez, vous connaissez pratiquement tous les présidents. Et la question clé pour moi, aujourd'hui pour vous, est la suivante. Quelle est en fait la santé de l'Afrique aujourd'hui. Vous savez, si l'on regarde les publications spécialisées en économie, elles sont plutôt positives en ce qui concerne l'Afrique. L'Afrique est un pays jeune, donc c'est Ernst & Young, BCG, le Boston Consulting Group, et tous ces fonds internationaux qui apportent des services de consultants. Of Vous lisez le Financial Times et l'économiste, ils sont très, très positifs en ce qui concerne l'Afrique. Mais il ne faut pas que nous nous trompions. Cette image ne passe pas dans la presse plus généraliste. Et ils considèrent que l'Afrique est un endroit où il y a de la corruption, des conflits, certains progrès économiques, mais qui ne sont pas forcément durables. Et à chaque fois qu'il y a un souci quelque part, le négatif reprend le dessus. Et bien sûr, il y a eu des problématiques qui ont impacté toute la région. À un moment donné également récemment, des conflits qui ont été auto-infligés à l'Afrique par l'Afrique, quelque part. Alors, effectivement, le problème est la manière dont nous mesurons les différents événements que vous décrivez et beaucoup d'autres événements par rapport au tout de l'Afrique. L'Afrique, c'est 1 milliard de personnes. Il y a à peu près 100 millions de personnes impactées par les conflits. Mais personne ne parle des 900 millions restants. Mais si vous regardez l'Asie, ils ont à peu près 200 millions de personnes impactées par le conflit et personne ne dit que l'Asie est en danger. Donc,
Si on prend en compte toutes les mauvaises nouvelles africaines d'un point de vue de la gouvernance, je peux vous donner l'équivalent pour l'Asie. Vous dites qu'il y a de la piraterie en Afrique. Eh bien, je pense que la concentration la plus importante des pirates est le détroit de Malacca, où vous avez Singapour et la Malaisie. Et personne n'associe Singapour et la Malaisie avec la piraterie. Bien sûr, mais 10 fois plus qu'en Somalie occidentale, par exemple. Lorsque l'on regarde ce qui se passe au Soudan du Sud, c'est terrible, c'est tragique, mais ce qui se passe à Myanmar avec Rohingya, c'est bien pire. Si vous pensez aux conflits comme celui du Burundi, eh bien, parlons de la description possible et détaillée que l'on peut faire des problèmes constitutionnels en Asie, par exemple. Bon, alors, on commence bien sûr à se comparer à ces pays qui ont des conflits. Mais en fait, vous savez, c'est la presse généraliste qui fait ce genre d'amalgame. Et ils peuvent, d'un certain côté, parler positivement de certains pays et ils parlent négativement de l'Afrique. Et ce n'est pas simplement au niveau social, mais également au niveau économique. Parce que nous sommes la deuxième région où la croissance est la plus rapide dans le monde. Comment définissons-nous la région? Pour nous, c'est le continent. Mais pour l'Asie, ce n'est pas défini comme un continent. Ils retirent toutes les grandes parties qui ne sont pas bonnes et ils disent « Asie, l'Asie va mieux ». Mais il parle de l'Asie du Sud-Est, qui est une toute petite région. Si nous faisons la même chose en Afrique, notre croissance sera de 10%. Alors, avez-vous des questions pour notre invité? Avez-vous des questions? Alors, préparez vos questions, je reviens vers vous bientôt. Parlons de ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour se préparer mieux et pour utiliser à fond l'effet de levier à sa disposition? Vous savez, nous avons beaucoup, beaucoup amélioré notre performance économique. Mais nous ne devons pas considérer qu'il s'agisse là d'un bon investissement pour l'avenir. Ce qui se passe maintenant depuis 10-15 ans, c'est essentiellement une croissance économique basée sur le même modèle. Nous n'avons pas effectuer la moindre modification structurelle quant à nos modes de production. Nous avons en fait moins de produits à valeur ajoutée aujourd'hui que ça n'était le cas en l'an 2000. Nous avons moins de valeur ajoutée manufacturière que ça n'était le cas au début du siècle. Donc ça, c'est très préoccupant. Et ce que ça veut dire, c'est que bien sûr, nous obtenons énormément d'argent par le biais de la consommation et des industries minières. Elle est bien sûr responsable de 2/3 de notre croissance. Et en soi, elle n'est pas durable. Et également, ça n'est pas une composante de la transformation. Nous utilisons le modèle colonial d'extraction de minerais non traités et nous ajoutons une caractéristique très dangereuse qui est la consommation. Et quand vous parlez de l'industrialisation, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'innovation, sur l'Afrique, mais qu'arrive-t-il à ces belles idées? On ne les voit pas se déployer, en fait. Mais je pense que nous courons un risque extrêmement sérieux et c'est une thématique de ce forum. En fait, le fait de mettre en avant des exemples à droite à gauche qui sont très bons pour que l'on se sente bien et pour nous faire croire que nous faisons une certaine différence dans le monde de l'innovation qui est très fortement associée aux gains de productivité. Les gains de productivité sont bien sûr associés à des politiques systémiques qui permettront de traiter les sujets systémiques, sinon on aura des poches isolées d'innovation qui ne vont pas transformer nos sociétés et qui ne vont pas non plus mener à une innovation à plus grande échelle. Nous n'y sommes pas encore parce que nous avons besoin de politiques, nous avons besoin d'institutions, de systèmes réglementaires. En fait, il faut que le plus dur du travail soit fait. Sinon, nous aurons, comme dans ce panel, David Monk, avec l'innovation et sa tablette extraordinaire. Et je peux vous donner plein d'autres exemples dont certains ont été mentionnés. Les progrès en technologie mobile, le fait que la technologie inversée aujourd'hui
aujourd'hui est présente dans les systèmes de santé, dans les systèmes agricoles, etc. Mais tout cela, ce sont des innovations isolées. Vous avez besoin d'une réelle, d'une profonde transformation qui vient par la transformation des économies, par le biais de bonnes institutions, de bonnes politiques et de bonnes réglementations. Et on parle par exemple des droits de propriété intellectuelle. Vous savez, c'est un droit fondamental. Je suis ravi que vous l'ayez mentionné, parce que l'une des raisons pour lesquelles nous n'avançons pas très vite dans le domaine du commerce, c'est que nous produisons des denrées de base, des produits dont nous ne contrôlons pas la valeur parce que nous ne contrôlons pas les prix du marché. Non, ça fait partie de la problématique. Mais c'est aussi parce que nous ne contrôlons pas cette propriété intellectuelle. Si vous ne le faites pas, vous ne connaissez pas les règles qui s'appliquent à l'origine des produits et vous pouvez être maltraité en termes de ce que vous produisez. Et je voudrais que cette discussion soit très concrète. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, pour la première fois, l'Éthiopie a exporté 1 milliard de dollars en café. En fait, l'augmentation dans les taux d'exportation ne vient pas par le gain du nombre de grains de café que l'Éthiopie exporte, mais la chaîne de valeur a permis de créer la bourse de ces denrées, qui déterminent les prix de ceux qui viennent acheter. Ils ont labellisé leur café et ils ont créé une marque basée sur des spécialités. Si vous allez chez Starbucks aujourd'hui, vous voyez Arar Coffee, par exemple. Et ça donne plus de valeur à ce produit. Donc 30% de ce que l'Éthiopie a pu ajouter à sa valeur ne vient pas des grains de café, mais de la connaissance du droit de propriété intellectuelle. Est-ce que ça se passe de façon large dans le pays? Vous savez, on parle de BES, qui est une invention africaine qui a maintenant été exporté de manière systématique vers la Pologne. Mais en fait, c'est le premier pays qui est exposé à cette technologie en Europe et pourra donc servir de tremplin pour le développement des ventes de cette technologie en Europe. Et en fait, c'est un petit peu le résultat de la nécessité. C'est la nécessité qui fait force quelque part. Et je pense que nous avons toujours des cas isolés et non pas l'échelle que vous avez mentionnée. Des questions? Yes. Oui. There's a hand over here. Une main ici. Anybody else with a question? Quelqu'un d'autre avec une question dans la salle? Oui, bonjour. Je suis chez Adiago, Young Stars Foundation Nigeria. Ma question est la suivante. J'ai une préoccupation en ce qui concerne les médias. La plupart du temps, les médias rapportent en les modifiant un grand nombre d'histoires négatives sur l'Afrique. Quels médias? Les médias en général, les vidéos, les images, par exemple cette image ici est une image de Broad Street à Lagos, mais ce n'est pas un Lagos d'aujourd'hui, c'est le Lagos d'il y a 10 ans. Les choses ont changé maintenant. Oui, cette photo n'est pas une photo de Lagos actuelle. Donc ma préoccupation est la suivante. Il faut qu'il y ait également une transition au niveau des médias quant à leur façon de traiter l'Afrique. Qui est responsable de cela, à votre avis? Des médias indigènes qui doivent être responsabilisés de manière à rapporter sur ce qui se passe bien en Afrique, ce qui marche bien en Afrique. C'est de ça qu'il faut qu'on parle, plutôt que d'une négative. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur. Vous voulez vous réagir? Je suis d'accord. D'ailleurs, vous savez, ce qui me stresse à mort, c'est qu'une grande partie de la négativité concernant le commerce vient des journalistes africains. Vous savez, je suis un journaliste africain. Nous n'inventons pas d'histoire, donc vous faites partie du problème. Non, on n'invente pas les histoires. C'est comme ça que nous voyons l'Afrique et que nous la vivons. Non, c'est la façon dont vous présentez
ces aspects. La plupart des journalistes ne font pas leur travail de chercheur et de garantir qu'ils ont la bonne information pour pouvoir remettre leur rapport dans un contexte réel. Vous savez, moi, je n'ai pas envie d'entendre simplement les médias faire des rapports positifs disant que tout va bien. Je veux de réels articles sur le continent africain. Mais je n'aime vraiment pas le fait qu'il y a toujours une exagération et la décontextualisation de ces rapports. Et c'est ça le problème. Alors, en conclusion, Carlos, avant de faire venir les autres membres du panel, sur une échelle de 1 à 0, quel est l'état de la marque Afrique? Elle a énormément changé depuis 10 ans. On ne parle plus de l'Afrique de la même manière que par le passé, mais nous sommes loin de la position à laquelle nous aimerions arriver. Et bien sûr, il faut que cela commence en interne, mais il faut faire plus que cela. Il faut également que nous soyons capables d'entreprendre une perspective historique de ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde, de manière à avoir des facteurs de comparaison efficaces. Et c'est ce qui nous manque, et c'est ce que les institutions comme la mienne tentent de faire, d'apporter les informations qui changent l'histoire. Nous avons besoin d'avoir une nouvelle approche à l'Afrique, nous avons besoin d'améliorer les statistiques. Il faut qu'on entreprenne le travail difficile. Ça ne va pas être facile à faire. Il faut le faire de manière scientifique, de façon déterminée, mais également cela requiert de la confiance en soi, parce que ce continent est le continent où la croissance est la plus rapide au monde. Le docteur Carlos Lopez, un tour d'applaudissement, s'il vous plaît.